Les deux ponts artisanaux de Belleto et Bidmion ne restent qu'un mauvais souvenir pour les habitants de la localité. Pour alléger les souffrances de ces derniers, des ouvrages de franchissement sont exécutés sur les cendres des anciens ponts afin de désenclaver le village de la sous-préfecture de Bécan où vivent des milliers de réfugiés. C'est dans l'optique de donner une assistance aux environ 10 000 réfugiés qui sont dans ces villages hôtes. Et si ces souffrances n'étaient pas vraiment réalisées, l'accès humanitaire allait être une difficulté. En ces jours, 14 août 2018, villageois, humanitaires, autorités civiles et traditionnelles célèbrent avec faste la cérémonie inaugurale de ces joyaux réalisés par l'Agence de développement économique et social, ADES, par l'appui financier du HCR. Nous avons une nouvelle approche compréhensive pour régler le problème des réfugiés. C'est de travailler dans la communauté, considérer les autochtones et les réfugiés en même temps, faire tout pour les autochtones et les réfugiés, qu'ils puissent avoir une coexistence sociale et communautaire et qu'ils puissent subsister ensemble. Les deux ouvrages de franchissement sont réalisés sur un coût global de 65 millions de francs CFA. C'est un offre de soulagement pour les habitants. Le Tchad est un pays qui est enclavé sur l'ensemble de 1 284 000 km². De Dieu merci, le gouvernement tchadien avec tous les partenaires, ils ont conjugué des efforts pour désenclaver de plusieurs axes au Tchad, notamment pour le département de Niapende et la sous-préfecture de Bécan. L'Agence nationale de développement économique et social, ADES, œuvre depuis 3 ans dans cette localité en réalisant des infrastructures éducatives, socio-sanitaires au profit des réfugiés et retournés par l'appui financier du HCR.